L'argent est devenu le principal pilier de la société. Pourquoi a-t-on inventé l'argent ? Omniprésent dans la société moderne, l'argent apparaît comme le centre et le moteur de toutes les actions humaines. Bienvenue à tous. Avant d'entamer nos rubriques business, nous parcourons ensemble dans cette vidéo le principal fondement de l'argent. Pourquoi a-t-on inventé l'argent ? Autrefois, dans les premières sociétés humaines, l'échange se faisait par le troc. Les produits étaient échangés les uns contre les autres. La tribu qui avait beaucoup de peaux de bêtes en échangeait contre la tribu qui avait beaucoup de grains de blé, des vaches contre du maïs, etc. Ce qui rendait difficile la tarification ainsi que la logistique, le transport. À la longue, pour faciliter ces échanges, s'est imposé un moyen d'échange dont la valeur est reconnue par tous. Il fallait que ce soit une matière durable et facilement transportable. Au début, ce furent des coquillages, puis l'or ou l'argent qui sont des matières rares, dont une faible quantité a une grande valeur. C'est ainsi que notre société contemporaine a inventé le papier-monnaie qui pendant un temps avait une valeur équivalente à la réserve d'or conservée par chaque État. L'argent a donc été inventé pour faciliter principalement les échanges dans notre société. De nos jours, l'argent conditionne notre société tout entière en la réduisant à une société de consommation. C'est alors un moyen par lequel on peut faire du bien à soi-même et aux autres. Et également un moyen qui permet d'accéder au bien-être. J'espère que vous avez apprécié. Merci de me laisser un pouce et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.